Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Protège ta santé Mackensia si tu aimes ta santé. Comment rendre sa partie intime propre et fraîche? La sexualité occupe une place très importante dans l'harmonie du couple, on le dit souvent, c'est le sexe qui retient l'homme à la maison. Un sexe ferme qui a toute sa fraîcheur de jeune fille donne à l'homme l'impression de connaître sa femme pour la première fois, cela ajoute du piment pendant l'acte sexuel. En Afrique, il existe des petits secrets pour redonner à la femme son sexe de petite fille. Ces petits secrets sont appelés secrets de grand-mère, ils ont été gardés et perpétués de génération en génération. Souvent méconnus par certaines femmes, ce sont des astuces obtenues à partir des ingrédients à portée de main qu'on utilise au quotidien. Il y a des classiques comme le beurre de karité connu pour la plupart, mais pour ce qui est du persil, on l'ignore complètement. Une sélection des plus efficaces est facile à obtenir. Le beurre de karité, le lubrifiant des Africaines. Le beurre de karité est connu pour ses vertus dans la cosmétique, pour ce qui est de la gynécologie, peu le savent. Pour l'utiliser, faire des petites boules de la taille d'une bille, les mettre au réfrigérateur pour celles qui en ont. Le soir au coucher, introduire une boule dans le vagin. Pour ce soir, pas de rapport sexuel, se protéger de sorte à ce qu'en fondant, vous ne vous salissez pas. En plus de rendre le sexe ferme, il lutte contre la sécheresse vaginale. C'est un très bon lubrifiant. Le citron. Mettre une toute petite quantité de jus de citron dans un peu d'eau tiède pour faire sa toilette intime. Il lutte efficacement contre les mauvaises odeurs et rétrécit le vagin. Faites-le une fois en passant, n'en faites pas une habitude pour endommager la flore vaginale. L'OGLACEE. L'une de ses vertus est de rendre le sexe de la femme ferme et serré. Avant un rapport sexuel, faire sa toilette avec de l'eau glacée permet au sexe de rétrécir. L'eau chaude. Faire un bain à vapeur après un accouchement soigne les blessures occasionnées et permet au sexe de retrouver sa forme d'avant l'accouchement. Faire de temps en temps un bain à vapeur donne au sexe de rétrécir. Attention, ne pas s'asseoir sur de l'eau bouillante, renverser cette eau dans un vase et s'asseoir ensuite sur ce vase de sorte à ne pas être agressé par l'eau chaude. Les feuilles des JEKA, l'antibiotique des Africaines. Ces feuilles sont très efficaces dans le cas des infections vaginales, boire son jus soigne également les plaies de ventre. Faire bouillir les feuilles quelques minutes, utiliser cette eau pour sa toilette intime. Il nettoie, raffermit et rétrécit le sexe de la femme. Très efficace aussi après l'accouchement. Le persil. Il ne sert pas seulement à assaisonner les repas, il sert également à assaisonner le lit conjugal. Ajoutez le persil frais haché à de l'eau bouillante et retirez du feu juste après, laissez infuser pendant une heure. Filtrer et réchauffer sans laisser bouillir. Boire cette détorsion avant de passer à l'action, très efficace pour l'excitation. Le GONGOLILI. Il nettoie les impuretés du ventre, réduit les douleurs lors des menstrues, très efficace après l'accouchement car il permet de guérir rapidement et de diminuer le ventre. Faire bouillir les feuilles de GONGONLILI, recueillir cette eau, la boire tiède, faire sa toilette intime également avec cette eau. La MANGNRIN, un excellent antibiotique. Se prépare de la même manière que le persil. L'utiliser pour la toilette intime et la boire aussi. Il permettant de guérir toutes les petites plaies vaginales, raffermir et rétrécir le vagin. Le cocktail DECORCE de manguier et de feuilles de goyavier. Faire bouillir ce mélange, en faire des bains de vapeur. Cela rétrécir le vagin. Les feuilles de bissap. Le bissap est un antibiotique naturel et très efficace contre les plaies vaginales. Faire bouillir les feuilles de bissap avec du miel. Attendre que cela refroidisse avant de faire sa toilette intime. Raffermir le vagin et guérir les petites plaies vaginales. Clous de girofle. Les clous de girofle luttent efficacement contre les mauvaises odeurs laissées par les menstrues. Faire bouillir les grains dans de l'eau, laisser tiédir et faire ensuite sa toilette intime. Du beurre de karité aux feuilles de bissap, en passant par le persil, toutes ces astuces permettent à la femme de garder son intimité propre et fraîche, et surtout de guérir des plaies de ventre et du vagin occasionnées pendant l'accouchement, de se prévenir des infections. SVP ne gardez pas pour toi seul, veuillez partager afin de sauver l'honneur des femmes.